Bonjour et bienvenue à toutes et peut-être tous, j'espère. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Léhari, qui co-dirige le département d'oncologie médicale à Gustave Roussy et qui est président du GynéGeps, donc qui est le groupe coopérateur qui s'occupe des phases précoces en gynécologie. Donc, on va apprendre plein de choses et je vais très, très vite lui laisser la parole. Voilà. Peut-être avant, je vais laisser la parole à Laure une seconde pour nous souhaiter la bienvenue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir docteur Léhari. Ravie de vous retrouver pour cette soirée. On avait à cœur pour cette nouvelle édition de Septembre Turquoise avec mon réseau cancer gynéco et avec 10 mois santé, de faire un peu le point sur les différents types de traitements pour les différents types de cancers gynécologiques, parce qu'on a beaucoup parlé cette dernière, lors de précédentes, on va dire, occasions des progrès dans les cancers de l'ovaire. Donc, bien sûr, on va parler des cancers de l'ovaire, mais on voulait aussi faire le point sur ce qui bouge, et heureusement, pour la prise en charge des cancers de l'endomètre, des cancers du col de l'utérus, peut-être des cancers rares. Et puisqu'on est tout près de l'ESMO aussi, qui c'est un grand congrès européen d'oncologie qui s'est tenu à Paris, c'est aussi l'occasion de faire le point sur où retrouver des informations sur la recherche clinique, comment est-ce qu'elle est organisée dans les cancers gynécologiques, enfin que vous nous donniez aussi des informations là-dessus, parce que la recherche, c'est le moteur de l'espoir des patients, donc c'est très important d'en parler aussi. Donc, eh bien, écoutez, on va prendre, donc d'abord, on va donner la parole au docteur Léhari, on prendra vos questions, vous pouvez mettre donc dans le fond des questions. Et puis, dans un deuxième temps, avec Oriane, on partagera vos questions au docteur Léhari. Bonne soirée. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, c'est un gros sujet, hein, les traitements, et là, je mets oncologique, je veux vraiment dire les traitements médico-oncologiques pour combattre les cancers gynécologiques. Et comme ça a été dit dans l'introduction, le but, c'est de vraiment couvrir toutes les tumeurs gynécologiques, pas que les cancers de l'ovaire. Et aussi vraiment d'avoir un message d'optimisme, parce que pendant des années, les tumeurs gynéco étaient un peu l'enfant pauvre de la recherche clinique et de l'innovation. Et ça, c'est vraiment en train de changer. Et par exemple, à l'ESMO, il y a quelques semaines à Paris, on a eu des résultats fantastiques avec des améliorations de la survie globale, ce qui ne vous parle pas, mais nous, c'est du jamais vu dans les tumeurs gynéco. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler un peu des traitements médicaux, surtout de l'innovation et du fait que les gens s'intéressent enfin aux tumeurs gynéco et résultat, on a des réels progrès. Donc vraiment, là c'est une vue très 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 globale, juste pour rappeler que les cancers de l'ovaire, de l'endomètre, de l'utérus, chacun d'entre eux est relativement rare, mais en fait quand on les met tous ensemble, bah, les tumeurs gynéco, c'est quand même... 15 000 nouveaux patients par an, donc ce n'est pas rien. Donc, quelques vraiment très, très généralités, très basiques sur ces trois types de cancers. Le cancer de l'ovaire, à peu près 5 000 cas, nouveaux cas par an en France. Et on le décrit typiquement comme une maladie sournoise parce qu'elle est très asymptomatique. Résultat, on a des symptômes que lorsque le cancer est sorti de l'ovaire et s'est répandu en fait dans la cavité abdominale, d'accord? Et résultat, vraiment, quasiment tout le monde a besoin d'une chimiothérapie lors de la prise en charge initiale. Ça, c'est le cancer de l'ovaire. En ce qui concerne le cancer de l'endomètre, c'est plus fréquent. C'est plutôt limité à des femmes ménopausées. Et en fait, c'est très symptomatique dès le début du cancer. Résultat, on les diagnostique très fréquemment quand la maladie est vraiment très, très localisée à l'utérus. Et résultat, la majorité des patientes vont être guéries par un traitement local. Pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, à peu près 3000 nouveaux cas par an. Ça touche les femmes plus jeunes, d'accord. À nouveau, si on est bien, on fait ses frottis régulièrement, on devrait les diagnostiquer à des stades précoces. Et en quel cas, là, on peut guérir à nouveau avec un traitement local. Donc, tout ça, c'est bien, mais qu'en est-il des traitements médicaux? Eh bien, pour le cancer de l'ovaire, même lors de la prise en charge initiale, il y aura quasiment toujours une chimio à base de platine et de taxol, avec une chirurgie. Le cancer de l'endomètre, eh bien, ça peut être qu'une chirurgie. Ça suffira peut-être. Et parfois, il faut mettre un peu de radiothérapie et ou un petit peu de chimio. Pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, on fait soit une chirurgie ou une association de radiothérapie avec un petit peu de chimiothérapie. Donc, ça, c'est un peu la prise en charge initiale. Donc, des traitements médicaux, beaucoup dans l'ovaire, un peu moins dans les cancers de l'endomètre et du col de l'utérus. Ensuite, en cas de rechute ou de maladie métastatique,
On a tendance à traiter tout le monde vraiment pareil. On fait de la chimiothérapie à base de platine. Et ça, c'est le cas pour le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, le cancer du col de l'utérus. Donc, pendant longtemps, vraiment, dans les tumeurs gynéco, chirurgie, radiothérapie et chimio à base de platine. Maintenant, est-ce qu'on a commencé à faire des progrès par rapport à cette base qu'on a fait? Eh bien oui. Aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu, mais oui, il y a vraiment des innovations dans les cancers gynécologiques. Je vais vous montrer que le cancer de l'ovaire a vraiment été la preuve de concept pour la médecine personnalisée avec une thérapie qui, l'ovaire a été vraiment le premier cancer traité par une nouvelle thérapie. Et aujourd'hui, des tumeurs beaucoup plus fréquentes comme le sein, la prostate, le pancréas apprennent de ce que nous, on a pu faire en cancer de l'ovaire pour l'appliquer à d'autres tumeurs plus fréquentes. Le cancer de l'endomètre, eh bien, je vais vous faire un argument que ça pourrait être nos meilleures candidates aux immunothérapies. Dans le cancer du col de l'utérus, pendant des années, rien n'a bougé. Et enfin, on a vraiment de l'innovation qui pousse les frontières et vraiment fait bouger les choses pour nos patientes. Et enfin, les cancers rares gynécologiques, eh bien, on en a et on ne les oublie pas. Et je vais vous montrer aussi qu'on a de l'innovation pour ces tumeurs rares également. Donc, ce qu'on disait, les cancers de l'ovaire avant, on disait que c'était rare, bon, que c'était ce cancer silencieux ou sournois qui donnait pas de symptômes jusqu'à ce que la maladie soit très étendue. Donc, ça faisait peur, c'était méconnu, peu médiatisé. Hein, c'est pas le cancer du sein où on a des marathons dans tous les pays. Ça intéressait peu les industriels dans le sens ceux qui développent des nouveaux médicaments. Et résultat, pendant longtemps, comme je vous l'ai dit, c'était un peu l'enfant pauvre puisque le cancer de l'ovaire, mais en fait les cancers gynécologiques de manière générale, n'avaient pas bénéficié de l'essor des thérapies ciblées. Et tout ça, ça change. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous montrer que vraiment, là, on est en train de révolutionner l'innovation dans les cancers gynécologiques. Donc, la première chose, c'est que on essaye vraiment d'appliquer combattre les tumeurs gynécologiques, l'approche d'une médecine personnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut assortir les patientes à un traitement qui est adapté à elles. Il faut arrêter de donner le même traitement, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout le monde a du platine. Non, il faut personnaliser le traitement. Et le but, ce n'est pas de traiter le cancer de l'ovaire ou le cancer de l'utérus, mais un traitement pour votre cancer de l'ovaire ou votre cancer de l'utérus. D'accord? Et enfin, on commence à arriver à cet objectif dans les cancers gynécologiques. Donc, je vais vous donner deux exemples de justement cette approche personnalisée où on a vraiment, pour aujourd'hui, je dirais, c'est réellement une réalité pour les cancers de l'ovaire et de l'endomètre. Donc, comment on fait ça? Eh bien, en fait, il faut, pour pouvoir donner vraiment un traitement personnalisé, il faut trouver le talon d'Achille des tumeurs, d'accord? Donc, est-ce qu'on a pu identifier le talon d'Achille des cancers de l'ovaire? Et ensuite, il faut sélectionner les bonnes patientes sur la base d'une meilleure compréhension de ces cancers. D'accord? Donc, quel est le talon d'Achille des cancers de l'ovaire? Eh bien, en fait, c'est des défauts de réparation. D'accord? Le cancer, par définition, ce sont des cellules qui se multiplient très, très vite. Et c'est particulièrement le cas pour les cancers de l'ovaire. C'est vraiment des tumeurs qui ont des cellules qui se divisent très, 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 très vite. D'accord? Mais en faisant ça, elles font des erreurs constamment. Elles ont une cellule, elles en font deux cellules filles. Et bah, en faisant ça tellement vite, elles font des erreurs lorsqu'elles divisent leurs cellules et dupliquent une cellule pour passer de une à deux. Elles font des erreurs et en fait, elles les réparent très mal. D'accord? Les cancers de l'ovaire sont réputés pour être des cancers qui se multiplient très, très vite, trop vite. Résultat, ils font des erreurs tout le temps. Et ils réparent mal les erreurs qu'ils font. Et ça, en fait, c'est leur talon d'Achille. D'accord? Donc, ça les aide à, cette vitesse de multiplication les aide à créer des tumeurs. Mais le fait qu'elles font des erreurs tout le temps, qu'elles n'arrivent pas à réparer, ça devient leur faiblesse. D'accord? Et ce talon d'Achille, bah, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on appelle les mutations de BRCA1 ou 2. BRCA, c'est breast cancer related gene, et ça c'est donc le gène en lien avec la prédisposition au cancer du sein, mais aussi et surtout au cancer de l'ovaire, d'accord? Donc et là Angelina Jolie a eu un énorme impact parce qu'elle a parlé du fait qu'elle était porteuse de cette mutation, et grâce au fait qu'elle en a parlé,
ben, ça a ouvert le dialogue et ça a aidé à convaincre les gens que si on avait ce gène, c'est une information importante, parce que déjà, il y a des choses qu'on peut faire dans la prévention, qu'il faut informer ses apparentés, etc. Et ces mutations sont relativement rares dans le cancer du sein, mais vraiment plutôt fréquentes dans les cancers de l'ovaire. Un quart des patientes avec un cancer de l'ovaire ont un gène BRCA1 ou 2 qui est muté. D'accord ? Et en fait, quand elles ont cette mutation, eh bien, elles ne savent pas réparer les erreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Donc, quand elles dupliquent leurs cellules, elles dupliquent leur patrimoine génétique ou leur ADN, et quand elles font ça, elles font des erreurs et elles ne les réparent pas. D'accord ? Et en fait, c'est cette mutation BRCA qui engendre un défaut de réparation, c'est leur talon d'Achille. Parce que nous, aujourd'hui, on sait exploiter cette faiblesse pour attaquer le cancer. D'accord ? Et ça, pour ceux ou celles d'entre vous qui étaient là l'année dernière, je l'ai montré. Mais voilà comment ça a marché. Donc, et à nouveau, le cancer de l'ovaire a été la première preuve de concept pour cette stratégie thérapeutique. Alors, on sait que dans certains cancers de l'ovaire qui ont une mutation BRCA, eh bien, il leur manque un mécanisme de réparation. Mais c'est pas grave parce qu'avec juste un mécanisme de réparation en moins, on a une table à trois pieds qui tient quand même. Alors, elle tient peut-être moins bien qu'une cellule normale, mais elle tient. D'accord ? Par contre, si vous venez avec une thérapie qui va venir couper un autre mécanisme de réparation, une autre jambe de cette table, une cellule normale qui n'a pas de défaut de réparation, elle survit. Par contre, votre tumeur BRCA mutée, là, par contre, elle ne tolère pas qu'on lui coupe deux jambes de cette table ou qu'on lui bloque deux systèmes de réparation. Et ça, c'est ce que font les inhibiteurs de PARP. D'accord ? Et ces inhibiteurs tuent de manière sélective les cellules cancéreuses qui ont une mutation BRCA ou un autre déficit de réparation sans vraiment endommager nos cellules normales. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle une thérapie ciblée puisqu'elle cible le cancer. C'est une médecine personnalisée puisqu'on sait sélectionner les patients pour cette thérapie. On va chercher la mutation BRCA. Et donc, c'est là où je vous disais que le cancer de l'ovaire mène l'innovation thérapeutique. Personne ne savait comment cibler un cancer BRCA muté. Et vraiment, l'ovaire a été le premier cancer qui a montré la preuve du concept de l'efficacité de cette classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de PARP dans les tumeurs qui ont un déficit de réparation. Et on sait qu'elles ont ce déficit de réparation puisqu'elles ont une mutation BRCA. C'est ça un peu le test. D'accord ? Depuis, il y a une multitude de cancers qui ont se rendu compte que eux aussi, certaines de leurs patientes ou patients avaient des mutations BRCA dans le cancer du sein, de la prostate, du pancréas. Et ils ont regardé ce que nous, on avait fait dans l'ovaire et ils l'ont reproduit. Donc là, aujourd'hui, il y a eu des très beaux essais qui ont montré l'efficacité des inhibiteurs de PARP chez des patients avec un cancer du sein, de la prostate ou du pancréas et une mutation BRCA. D'accord ? Donc, l'ovaire a mené l'innovation et d'autres tumeurs beaucoup plus fréquentes ont appris de ce qu'on avait réussi à développer dans l'ovaire. Mais au-delà de ça, parce que pour aujourd'hui, dans toutes les tumeurs, les inhibiteurs de PARP ne marchent que chez les patients qui ont un cancer associé à une mutation de BRCA. Mais dans les cancers de l'ovaire, on a été le premier cancer qui a démontré que les inhibiteurs de PARP avaient une efficacité au-delà des tumeurs avec une mutation BRCA. On a pu démontrer qu'on avait des patients qui n'avaient pas la mutation BRCA mais qui avaient un cancer de l'ovaire et l'inhibiteur de PARP marchait très, très bien. Et là, on est les premiers et on est pour l'instant toujours les seuls. On est le premier cancer, on a pu démontrer l'efficacité des inhibiteurs de PARP au-delà des cancers de l'ovaire BRCA muté. Et résultat, on a l'accès à ces médicaments chez beaucoup plus de nos patients, pas que les 25% qui ont la mutation de BRCA. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais comment on arrive à identifier les patientes qui n'ont pas de mutation BRCA, mais qui pourraient bénéficier des inhibiteurs de PARP. Et là, à nouveau, on a pu développer des tests qui nous permettent justement d'identifier. Comme je vous ai dit, il y a 25% des patientes qui ont une mutation BRCA et qui ont donc une tumeur avec juste trois pattes. Mais nos essais ont démontré qu'il y a aussi 25% qui n'ont pas la mutation BRCA, mais qui semblent avoir une tumeur à trois pattes puisqu'elles répondent très, très bien aux inhibiteurs de PARP. Et donc, on a un nouveau test pour identifier les autres cancers de l'ovaire susceptibles de répondre aux inhibiteurs de PARP. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'exemple d'une médecine personnalité où on va allier à chaque patiente le meilleur traitement pour elle. D'accord ? On a des inhibiteurs qui ciblent le talon d'Achille de une majorité des cancers de l'ovaire.
On sait comment identifier ces patientes parce qu'on a un test qui nous permet d'assortir nos patientes au bon traitement. D'accord ? Et là, comme je vous ai dit, on est devant toutes les autres pathologies qui apprennent, en fait, grâce à ce qu'on a pu développer dans le cancer de l'ovaire, pour essayer d'appliquer ce principe dans d'autres cancers, comme les cancers du sein, voire le cancer du poumon. Donc voilà, si là, je ne vous ai pas convaincu que le cancer de l'ovaire mène l'innovation dans une stratégie thérapeutique, on a montré qu'on arrive à cibler les défauts de réparation de la tumeur, c'est son talon d'Achille, et on a pu démontrer en premier l'efficacité de ces émetteurs chez les cancers de l'ovaire associés à une mutation, et on a pu aller plus loin puisqu'on a pu démontrer le bénéfice de ces inhibiteurs au-delà des cancers de l'ovaire BRCA muté, et on a un test pour nous aider à identifier les bonnes patientes pour cette thérapie. Donc tout ça, c'est très bien, mais j'ai beaucoup parlé des cancers de l'ovaire, principalement de haut grade séreux, qui peuvent avoir ces mutations ou qui peuvent avoir un autre défaut de réparation. Mais quelle médecine personnalisée pour les cancers rares de l'ovaire ou même les tumeurs gynécologiques rares qui typiquement ne vont pas avoir les biomarqueurs que je viens de vous montrer. Où est-ce qu'on en est pour eux? Est-ce qu'on a de la médecine personnalisée? Est-ce qu'on a de l'innovation? Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'en France, on a la chance de bénéficier d'un réseau qui s'appelle le TMRG. C'est le réseau expert des tumeurs malignes rares gynécologiques. D'accord? Parce qu'en fait, au-delà des cancers fréquents de l'ovaire, de l'endomètre, du col, de l'utérus, il y a plein de tumeurs très, très rares gynécologiques qui ont une prise en charge qui est vraiment assez spécifique, qui peut être très différente des cancers beaucoup plus fréquents gynécologiques. Souvent, il y a plus de chirurgie, elles peuvent être beaucoup moins sensibles à la chimiothérapie, en tout cas, ça ne va pas être la même que celle qu'on utilise dans nos tumeurs fréquentes. Et donc, il faut vraiment avoir des réseaux d'experts, parce que c'est autant, je pense que c'est toujours important que les gens soient traités aussi proches de chez eux que possible. Quand on a une tumeur rare, où on a besoin d'une chirurgie très lourde associée, par exemple, au cancer de l'ovaire même fréquent, c'est important d'être dans des centres qui ont l'habitude de voir ce type de patient. D'accord ? Et donc, on a un réseau dans toute la France de centres qui spécialisent dans la prise en charge des cancers rares de l'ovaire ou gynécologiques de manière plus générale. Comme vous pouvez le voir, c'est un site, hein. Il y a des pages dédiées aux patients et puis il y a des pages dédiées à vos oncologues avec des référentiels qu'on les actualise toutes les quelques années pour être bien sûr que partout en France, quelqu'un qui a une tumeur rare gynécologique va avoir droit à la meilleure prise en charge, la plus adaptée à sa tumeur. D'accord ? Donc déjà, il y a des référentiels avec des recommandations sur la prise en charge. Et en plus de ça, vous pouvez voir, on a des essais cliniques dédiés à ces tumeurs rares. Pendant longtemps, on nous a toujours dit les tumeurs rares, on ne peut pas faire des essais cliniques, c'est trop rare, on n'y arrive pas. En fait, c'est faux. Et d'ailleurs, en France, on est très bon pour faire des essais cliniques pour apporter l'innovation à des patientes avec des tumeurs rares gynécologiques. D'accord ? Je vais vous donner quelques exemples, mais les patientes avec des tumeurs rares, elles ont droit à l'innovation également en France. D'accord ? Je vais vous donner un exemple qui est un essai qui a été monté par le groupe français qui recrute au niveau international, qui s'appelle l'essai bouquet, comme un bouquet de fleurs. Et ça, en fait, parce que le principe, c'est que n'importe quelle tumeur rare de l'ovaire peut rentrer dans cette étude, les cellulaires, les carcinosarcomes, les bagrates séreux, etc. Et ensuite, on va faire une analyse très poussée de chaque tumeur pour essayer d'identifier son talon d'Achille ou vraiment une cible intéressante. Et là, on en recherche plein. Et la beauté de cet essai, c'est qu'on cherche des biomarqueurs. Si, par exemple, la tumeur a une anomalie de HER2. J'ai pris cet exemple parce que parfois, les gens connaissent ce gène parce qu'il est ciblé en sénologie. D'accord ? Donc, depuis des années, si quelqu'un avec un cancer du sein a une amplification d'HER2 ou est HER2+, eh bien, on a des thérapies ciblées qui marchent extrêmement bien. Et donc, le but ici, c'est de se dire, bah, si un cancer rare de l'ovaire a la même anomalie qu'on voit dans les cancers du sein, eh bien, donnons-lui le traitement qui marche dans le cancer du sein. S'ils ont, ensuite, je ne vous ai pas donné toutes les anomalies parce que certaines sont un peu obscures, mais faites-moi confiance, il y en a plein. Anomalie A, bah, on va mettre en face de cette tumeur un émetteur de A. Anomalie B, inhibiteur de B, etc., etc. Et l'avantage de ce type d'essai, c'est que c'est un essai qui est adaptatif. C'est-à-dire, plus
on avance dans la compréhension de ces tumeurs rares et qu'on a des nouvelles thérapies très, très prometteuses, eh bien, on peut créer une nouvelle cohorte, nouvelle anomalie, nouveau traitement. D'accord ? Donc, ça, c'est l'exemple parfait de la recherche et de l'innovation pour des tumeurs rares de l'ovaire. Au-delà de ça, là, je vous donne juste un exemple d'essais qui sont en cours actuellement dédiés aux cancers rares de l'ovaire ou de l'endomètre, que ce soit des carcinomes à cellules claires, des carcinosarcomes, le cancer à l'ovaire à petites cellules hypercalcinant. On a des essais dédiés à ces femmes avec des tumeurs rares. Donc, clairement, les thérapies innovantes, on essaye de rapprocher nos patientes, même avec des tumeurs rares. Il n'y a pas de raison qu'elles échappent à l'innovation en gynécologie. Donc, tout ça, c'est bien, c'est le cancer de l'ovaire. Maintenant, quid des cancers de l'endomètre ou du col? Où est-ce qu'on en est avec les cancers de l'endomètre? Donc, comme je vous ai dit précédemment, c'est une maladie où, typiquement, grâce aux symptômes, et les symptômes, à nouveau, c'est toujours bien de répéter un peu de détection précoce, c'est un saignement chez une femme après la ménopause ne devrait pas avoir lieu. Immédiatement, un saignement chez une femme après la ménopause doit appeler rendez-vous immédiat chez le gynécologue pour un examen complémentaire. Parce qu'en fait, les cancers de l'endomètre présentent avec des saignements. Et en fait, ils présentent avec des saignements dès le début. D'accord? Résultat, on arrive à les diagnostiquer à un stade précoce quand la maladie est encore localisée juste dans l'endomètre. D'accord? Et résultat, la vaste majorité des patientes sont guéries par un traitement local seul, ce qui est super. Donc, une chirurgie seule ou une chirurgie avec un peu de radiothérapie. Donc, la plupart des cancers, des patients avec un cancer de l'endomètre n'ont jamais besoin de voir quelqu'un comme moi, ce qui est super. En cas de maladie métastatique ou en cas de rechute, à ce moment-là, effectivement, on discute d'un traitement médical. Et comme je vous ai dit en début de présentation, on n'est vraiment pas très originaux. On manque un petit peu d'imagination puisqu'on traite tout le monde pareil. On met du platine et du taxol. Ensuite, on avait une autre option. Beaucoup de cancers de l'endomètre vont exprimer des récepteurs aux hormones, donc récepteurs à l'estrogène, récepteur à la progestérone, vraiment sur le même modèle que les cancers du sein. D'accord ? Et résultat, on peut proposer également des hormonothérapies, qui sont souvent des comprimés, si le cancer exprime des récepteurs aux estrogènes ou à la progestérone. Et ça, c'est vraiment une approche thérapeutique qu'on fait depuis des années dans le cancer du sein et qui peut être tout à fait applicable au cancer de l'endomètre. D'accord. Donc ça, pendant des années, voilà ce qu'on avait. On avait une ligne de chimio à base de platine et une hormonothérapie. Donc, est-ce qu'on a fait des progrès dans les cancers de l'endomètre? Eh bien, oui, je pense que je vais essayer de vous convaincre que les cancers de l'endomètre sont sans doute d'excellentes candidates à une immunothérapie. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'immunothérapie dans le cancer? Eh bien, parce qu'on sait depuis longtemps que le système immunitaire de la patiente peut être impliqué dans le contrôle du cancer. Comment on sait ça? Alors, on sait qu'on a des cellules immunitaires qui sont nos globules blancs, qui sont un peu comme nos soldats qui nous permettent de combattre les corps étrangers tels que les bactéries ou les virus. Eh bien, ici, vous voyez une photo en vert, c'est une grosse cellule tumorale, et en rouge, c'est des cellules immunitaires ou des globules blancs qui viennent attaquer la cellule de cancer. D'accord ? Donc, on sait, c'est très rare, mais que les cellules immunes peuvent essayer d'attaquer la cellule tumorale. D'accord ? Mais il faut sans doute booster nos cellules immunitaires. Et c'est ça qui a mené à l'essor des immunothérapies, qui sont une injection souvent une fois toutes les 3 semaines, qui sont là pour stimuler les cellules immunitaires de la patiente à attaquer le cancer, comme le système immunitaire s'est déjà attaqué et se débarrassé d'un virus ou d'une bactérie. D'accord ? Et l'essor des immunothérapies a d'abord été contre les cancers du poumon, contre le mélanome, cancer de la vessie. Et en fait, pourquoi certains cancers répondent particulièrement bien aux immunothérapies? Eh bien, on commence à comprendre pourquoi. Donc, en gros, un cancer a été généré dans notre corps, issu à l'origine quand même de cellules qui étaient chez nous, mais qui sont devenues anormales. Et en fait, plus les cellules tumorales sont différentes des cellules de soi, plus le cancer va apparaître étranger et peut attirer l'attention du système immunitaire. Et donc, plus les cellules tumorales apparaissent bizarres, plus il y a de chances que nos globules blancs les reconnaissent en se disant « c'est pas normal qu'elles soient là » et les attaquent. D'accord ? Donc, en gros, si vous avez une cellule normale, on a dans certains cas des cancers qui ressemblent, mais vraiment beaucoup, au tissu normal.
Mais on a certains cancers qui deviennent particulièrement bizarres. D'accord ? Et en gros, plus la cellule tumorale est bizarre et ne ressemble plus du tout à la cellule normale, plus il y a de chances de répondre à une immunothérapie. Parce que plus il y a de chances que cette cellule tumorale soit reconnue comme un corps étranger par le système immunitaire. Et donc, quand vous boostez avec une immunothérapie, il y a des chances que votre système immunitaire attaque la cellule tumorale. Donc, en gros, plus le cancer est bizarre ou muté, plus il peut être reconnu par le système immunitaire et éliminé. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez les X-Men, c'est des films sur une race, un sous-groupe d'êtres humains qui est mutant. D'accord ? Donc, par exemple, là, vous avez Jennifer Lawrence, ça, c'est son apparence normale, mais quand elle est dans X-Men, elle ressemble à ça parce qu'elle se mute en une espèce de super-héros. Et ces pauvres gens sont chassés sur Terre. Donc, c'est le même principe pour les cellules tumorales. Plus il est différent du dit normal, plus il y a de chances qu'il soit reconnu comme étranger et attaqué. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Quels cancers sont particulièrement mutés et bizarres comme ça ? Mais qu'est-ce qui rend une cellule cancéreuse particulièrement mutante, mutée, bizarre ? Eh ben, ça peut être des attaques externes. Le soleil, par exemple, qui cause le mélanome. Eh ben, le soleil qui cause un mélanome, la tumeur, le mélanome ne ressemble en rien à une cellule normale. De même, vous fumez, vous avez un cancer du poumon, à nouveau, juste l'attaque externe par ces cancérigènes va causer une tumeur qui va être très, très anormale avec des cellules très bizarres, très mutées. Résultat, ces deux cancers sont composés de cellules vraiment très mutantes, sont particulièrement sensibles aux immunothérapies. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les champions de l'immunothérapie, en tout cas de manière historique, ça a été le cancer du poumon et le mélanome. D'accord ? Parce qu'ils sont attaqués par des cancérigènes externes qui causent des cellules ultra mutées. Donc, est-ce que nous, on a des tumeurs gynéco qui sont ultra mutées ? Et la réponse est oui. On a un sous-type de cancer de l'endomètre qui est ultra muté avec des cellules très, très bizarres. Et c'est un cancer de l'endomètre qu'on dit MSI. Je ne vais pas vous expliquer forcément ce que veut dire MSI, mais c'est un marqueur qui dit ce cancer de l'endomètre a des cellules tumorales très bizarres, très mutées. Et résultat, il y a des bonnes chances que les cancers de l'endomètre avec ce type de cellules ultra mutées, dit MSI, répondent à une immunothérapie. Qu'est-ce qu'on en sait ? Ben, on sait que oui. D'accord. Les cancers de l'endomètre MSI sont ultra mutés et répondent très bien à une immunothérapie. Vraiment très bien. Il y a plus de 50% de chances que la patiente ait une tumeur qui met fonde sous l'immunothérapie. Et l'autre truc qui est vraiment fantastique pour avoir participé à tous les essais cliniques qui ont testé les immunothérapies dans les cancers chez les patientes avec un cancer de l'endomètre MSI, c'est que quand elles répondent, les réponses sont prolongées. Et on peut même arrêter l'immunothérapie. Moi, j'en suis là depuis plusieurs années. Ben, on a arrêté l'immunothérapie, ben, le cancer n'est pas revenu. D'accord ? Et l'autre chose, c'est les tumeurs. Parmi tous les cancers de l'endomètre, ben, un quart à un tiers sont MSI. D'accord ? Donc, l'immunothérapie est efficace pour un quart à un tiers de nos patients qui ont un cancer de l'endomètre. D'accord ? Et aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Toute patiente avec un cancer de l'endomètre MSI en rechute, parce que pour l'instant, ces immunothérapies ont été uniquement évaluées en rechute, doit avoir l'accès à une immunothérapie. D'accord ? Et si vous avez un cancer de l'endomètre MSI, que votre oncologue ne sait pas comment vous obtenir une immunothérapie, vous demandez à parler. Déjà, première chose, vous essayez de voir si l'oncologue peut vous trouver un essai. Et lui, vous pouvez lui parler du fait qu'il y a des applications qui disent aux oncologues dans toute la France quels essais sont ouverts, dans quelle indication et où. D'accord ? Donc, si vous avez un cancer de l'endomètre MSI, il faut absolument avoir accès à une immunothérapie. Pour l'instant, c'est quand même principalement dans le cadre d'essais thérapeutiques, mais pas que. Donc n'hésitez pas à vous mettre en lien avec votre oncologue là-dessus. D'accord ? Donc, est-ce qu'on est à la médecine personnalisée pour les cancers de l'endomètre ? Ben, la réponse est oui. D'accord. On a un biomarqueur qui concerne un quart à un tiers de nos patientes, qui est MSI. Vous avez un cancer de l'endomètre MSI. On a une réponse impressionnante aux immunothérapies. En plus, c'est un biomarqueur qui est fréquent, comme je vous ai dit, à peu près un quart à un tiers de nos patientes. Et aujourd'hui, les immunothérapies sont disponibles pour nos patientes avec un cancer de l'endomètre MSI, soit dans le cadre d'un accès précoce, soit dans les essais. Mais dans tous les cas, toute patiente avec ce type de cancer doit avoir accès à une immunothérapie. Et donc, pour moi, c'est de la médecine personnalisée. On a un biomarqueur, une thérapie qui marche hyper bien et on met la bonne patiente en face du bon traitement.
Donc tout ça, c'est très, 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 très bien. Mais, et pour les autres, parce que je vous ai dit, MSI, c'est un quart à un tiers, mais toutes les autres patientes avec un cancer de l'endomètre. Alors pour elle, comme je vous ai dit, le traitement standard, c'était de la chimio, est-ce qu'on peut faire mieux? Et là, la réponse est oui, d'accord. Il y a eu un énorme essai clinique auquel on a participé en France qui a dit, pour des cancers de l'endomètre, surtout celles qui ne sont pas MSI, on va comparer la chimio standard à une immunothérapie, mais pas seule, parce que seule, ça ne suffira pas, mais une immunothérapie plus un traitement oral par comprimé. Eh bien, ce qu'on a démontré dans cet essai, c'est que l'immunothérapie plus comprimée était beaucoup plus efficace que la chimiothérapie standard. D'accord? Et ça, même chez les patientes qui ne sont pas MSI. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau standard pour nos patientes. Ça, c'est disponible. C'est, vous mettez une immunothérapie plus les comprimés. L'immunothérapie seule, si vous êtes un cancer qui n'est pas MSI, ça ne suffira pas. Mais vous mettez avec les comprimés et là, on a vraiment une très belle efficacité qui fait mieux que le standard, qui est la chimiothérapie. Donc, la prise en charge pour nos cancers de l'endomètre, la première question, c'est sont-elles MSI? Si elles sont MSI, une immunothérapie seule par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. À nouveau, si vous avez du mal à avoir accès à ça, c'est dans les essais thérapeutiques, on peut vous aider. Si vous n'êtes pas MSI, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez avoir une immunothérapie toutes les 3 semaines avec un comprimé tous les jours. D'accord? Et donc, les immunothérapies sont vraiment devenues le standard pour nos patientes avec un cancer de l'endomètre. Donc, tout ça, c'est très bien, mais là, on est en train de tester les immunothérapies en cas de rechute, comme je vous l'ai dit. Mais on a vraiment envie de dire, non, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux, même mettre les immunothérapies, voire d'autres thérapies. Quand on est vraiment en début de maladie, on a eu la chirurgie et le but est la guérison. Et là, je tiens juste à vous parler d'un essai qui va ouvrir cette année et qui évalue l'intérêt d'une médecine personnalisée dans les cancers de l'endomètre, mais au moment où on est dans le curatif. En première ligne, d'accord? Et de dire, tous les cancers de l'endomètre n'en se ressemblent pas, est-ce qu'on ne devrait pas adapter le traitement post-opératoire afin d'augmenter les guérisons et diminuer les toxicités? Donc, cet essai qui s'appelle Rainbow en anglais ou arc-en-ciel en français, toute patiente avec un cancer de l'endomètre opéré, elle a sa chirurgie et ensuite on fait une analyse sur sa tumeur. Oula! Et on va, résultat, vous n'allez pas pouvoir voir ça. Attendez, je vais enlever ça. Hop! Ça. Voilà. On va adapter son traitement post-opératoire à la tumeur de la patiente parce qu'ils ne se ressemblent pas tous, d'accord? Sans rentrer dans les détails sur les biomarqueurs, ça va juste vous montrer que si vous avez ce type de cancer, on vous propose ce type de traitement post-opératoire. Ce type de cancer, ce type de traitement. Ce type de cancer, ici c'est MMRD, mais ça c'est de l'anglais MSI. Eh bien, plutôt que de la chimio post-opératoire, on mettrait plutôt une immunothérapie. Pour ce type de tumeur, eh bien, on peut sans doute désescalader. Le but, c'est de dire, on va personnaliser le traitement post-opératoire pour faire 2 choses, augmenter les guérisons et diminuer les toxicités du traitement. D'accord? Et ça, c'est vraiment, on lance l'essai, mais c'est pour moi la piste pour demain, c'est de faire de la médecine personnalisée, mais quand on est dans l'indication de la guérison. D'accord? Maintenant, on va finir sur les cancers médicaux contre les cancers du col de l'utérus. Est-ce qu'on a des innovations dans les cancers du col de l'utérus? Donc ça, c'est juste un peu un rappel. Pourquoi on a des cancers du col de l'utérus? Bien, on a des cancers du col de l'utérus parce qu'ils sont causés par une infection. L'infection, c'est l'HPV ou Human Papilloma Virus. La plupart d'entre nous vont avoir été exposés à une infection à papillomavirus. D'accord? Mais, vous voyez ici, la plupart des cas, ça c'est la clairance, on arrive à éliminer le virus. D'accord? Et il disparaît entièrement au bout de quelques mois. Mais chez certaines patientes, et on ne comprend pas entièrement pourquoi, elles n'arrivent pas à éliminer complètement le virus. Il reste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et là, au bout d'un moment, il cause une lésion pré-invasive au niveau du col de l'utérus. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on peut détecter sur un frottis. C'est pour ça que depuis des décennies, on recommande aux femmes d'avoir des frottis. C'est pour se dire, si une femme a eu un HPV, elle n'a pas réussi à éliminer le virus et elle commence à créer une lésion pré-cancéreuse, on veut le détecter sur le frottis pour s'en débarrasser tout de suite. Parce que si on ne s'en débarrasse pas tout de suite, au bout d'un moment, 4-5 ans plus tard, ça se transforme en cancer du col. Donc,
grâce au dépistage un peu à l'ancienne, celui qu'on faisait par frottis, le cancer du col ne devrait plus exister. D'accord ? Parce qu'à nouveau, le cancer du col a lieu parce que le virus persiste, commence à s'installer dans le col, et si on ne s'en débarrasse pas tôt, ça finit par se transformer en cancer. Mais avec un frottis, on devrait le détecter tôt et ne pas arriver au stade du cancer. Donc, le cancer du col, il aurait dû déjà disparaître. C'est pas qu'il doit disparaître, il aurait déjà dû disparaître. L'intervalle entre la première infection et le cancer invasif, c'est 10-15 ans, on va dire. À nouveau, je vous ai dit, depuis des années, il y a un dépistage assez simple, ou ce qu'on appelle une prévention secondaire, qui est, on fait un frottis, on essaie de détecter les HPV et on enlève les lésions pré-invasives. Mais aujourd'hui, on devrait faire même mieux que ça, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la prévention primaire par le vaccin. D'accord, je ne peux pas parler du cancer du col sans parler d'éliminer le cancer du col. D'accord, parce qu'on sait, comme je vous l'ai dit, le cancer du col est dû à un virus. On élimine le virus, on n'a plus de cancer du col. D'accord, 98% des cancers du col sont dus à une infection par l'HPV. C'est donc une maladie qui est virale et sexuellement transmissible. La plupart d'entre nous ont été exposés, mais la plupart d'entre nous, pour des raisons qu'on ne comprend pas, arrivent à s'en débarrasser. Mais certains ne s'en débarrassent pas, et là, ils sont à risque de cancer du col. D'accord ? Donc, vous pouvez faire les frottis, mais évidemment, le mieux, c'est d'éliminer le virus. Vous n'avez jamais eu le virus, vous ne pouvez pas avoir un cancer du col. Donc, évidemment, tout ceci, c'est pour vous rappeler de vacciner vos enfants. Et ça, c'est les filles et les garçons. Parce que si on parle d'une maladie contagieuse, il est évident que ça n'a pas de sens de vacciner la moitié de la population. Il faut vacciner tout le monde. En plus, il y a d'autres cancers liés à l'HPV qui peuvent toucher les garçons, notamment les cancers ORL. D'accord. Donc, quand vacciner, bah, écoutez, il faut vacciner avant l'exposition au virus. Et comme c'est sexuellement transmissible, bah, ça veut dire adolescence, préadolescence, etc. D'accord. Il y a des choses qu'on peut rattraper plus tard, mais l'idéal, c'est de le faire quand on fait tous les vaccins. Les enfants sont jeunes, ils ne savent même pas ce qu'ils ont, c'est très bien. Et là, vous les protégez réellement. Il n'y a aucune raison qu'on ait encore des cancers du col. L'Australie a un système de vaccins en place depuis des années. Sont en train d'éliminer le cancer du col, même les lésions pré-invasives. Et nous, on a du retard. Donc ça, c'était ma petite… il fallait que je vous parle de prévention. Mais on a quand même des gens qui, aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on n'a pas encore vacciné tout le monde, donc pas encore éliminé le cancer du col, qui peuvent avoir une maladie qui est étendue et qui a besoin d'un traitement médical. Donc, quel est le traitement médical pour les cancers du col? À nouveau, je vous ai dit, on est pas très original, on fait pareil pour tout le monde, platine, Taxol. D'accord. Ensuite, on a eu un gros essai qui a été publié, je dirais, il y a 8 ans, qui a montré qu'on pouvait ajouter quelque chose à la chimio standard, qui s'appelait bevacizumab, qui est en gros un médicament qui bloque la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Le principe ici, c'est que pour que des cellules tumorales qui essayaient de créer une tumeur, pour qu'elles atteignent une taille de plus de 1 mm cube, eh bien, elles ont besoin de créer des vaisseaux sanguins pour se nourrir. Et elles utilisent aussi ces vaisseaux sanguins pour se disséminer. D'accord ? Donc, le bevacizumab est ce qu'on appelle un anti-angiogénique. Il bloque la formation de ces vaisseaux sanguins dont a besoin la tumeur pour survivre. Et on avait démontré il y a des années que si vous ajoutez le bevacizumab à cette chimiothérapie de première ligne, on augmentait la survie globale. C'est devenu disponible en France pendant à peu près un an. Et ensuite, on nous a enlevé le remboursement. Donc, c'était l'un des seuls pays au monde où le bevacizumab était non remboursé en France pendant quasiment 6 ans. D'accord. On ne pouvait pas le donner. Et donc, la bonne nouvelle cet été, c'est que le bevacizumab, on a des biosimilaires qui marchent très, très bien, mais qui sont beaucoup moins chers. Et résultat, ça y est, c'est enfin disponible pour nos patients depuis cet été. D'accord. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a vraiment une grosse injustice là. Et ça, malgré le fait que des groupes de patients, des comités de patients sont allés parler au gouvernement, etc. On n'arrivait pas à le faire bouger, mais ça y est, ça a enfin bougé. C'est une très bonne nouvelle. Ça apporte un bénéfice important pour nos patientes. Bon, tout ça, c'est bien. Est-ce qu'on voulait faire mieux? Est-ce qu'on veut faire mieux? On veut faire mieux et on peut faire mieux. À nouveau, je vais vous donner l'exemple des immunothérapies. Est-ce que le cancer du col pourrait répondre aux immunothérapies? Eh bien, oui. Pourquoi? Eh bien, comme je vous ai dit, vous vous souvenez, les immunothérapies marchent si le système immunitaire reconnaît le cancer comme un corps étranger. Or, là, le cancer du col, c'est un corps étranger, c'est une maladie virale. D'accord ? Et on sait qu'on a permis l'installation de ce cancer parce que, on ne sait pas pourquoi,
le système immunitaire de ce patient n'a pas réussi à se débarrasser du virus. Et donc, si on pouvait booster le système immunitaire, il devrait reconnaître ce cancer comme non-soi puisqu'il vient d'un virus qui est étranger au corps. Et potentiellement, ça devrait marcher pour aider le système immunitaire à se débarrasser des cancers du corps. Donc, où est-ce qu'on en est dans cette approche? Est-ce qu'on a des résultats? Alors, je vais vous faire les résumés de toutes les études, donc je vais faire relativement simple. Mais oui, d'accord? Les immunothérapies sont efficaces contre le cancer du col. On a participé, nous, à nouveau, à beaucoup des études qui ont fait cette preuve de concept et on a démontré deux choses. Un, que chez des patientes qui avaient déjà reçu de la chimio, eh bien, une immunothérapie seule était active. D'accord? On pouvait réduire la tumeur et dans certains cas avoir des réponses vraiment prolongées. Mais ça, c'est en rechute après une première ligne de chimiothérapie. Donc, j'ai dit, mettons l'immunothérapie encore plus tôt. Et donc, il y a eu un deuxième essai qui a dit, on prend une patiente qui n'a jamais eu de chimio, on lui met le platine, le taxol, potentiellement le bevacizumab, et là, on va donner à la moitié une immunothérapie, l'autre, le standard, donc chimio, beva, mais pas d'immunothérapie. Et on va voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un bénéfice très, très important pour l'immunothérapie en première ligne avec la chimiothérapie. On améliore la survie globale, on améliore le taux de réponse. Et donc là, on est sur le point, on devrait avoir accès à ce médicament, je dirais, dans les jours qui viennent. Et si par hasard vous êtes une patiente, vous avez des patientes, vous avez des amis qui ont eu un cancer du col, ils ont eu la chimio mais ils n'ont pas eu l'immunothérapie, eh bien on doit trouver un essai pour permettre au cancer du col d'avoir accès à une immunothérapie dans un essai thérapeutique, même si c'est une immunothérapie seule. D'accord? À nouveau, on a des réseaux en France, tous les investigateurs se parlent, on doit pouvoir trouver l'accès aux médicaments dans le standard ou dans le cadre d'un essai pour vraiment la majorité de nos patientes. Et je crois que c'était la fin pour aujourd'hui. Je voulais juste faire le tour sur l'ovaire, l'endomètre et le col. Et j'ai traité beaucoup d'infos. Donc, s'il y a des questions, je serai ravie de les prendre. Je vais donc sortir de mes diapositives. Merci, merci beaucoup pour ce topo extrêmement passionnant et qui avec énormément d'innovation un peu dans tous les champs. Et vraiment, c'était très, très utile, je pense, de faire ce point avec vous cette année. Alors, il y a pas mal de questions. Une première, en fait, on voit bien que dans les différents cancers gynécologiques, bon, mot d'ordre, on en parle avec son médecin, on en parle avec des réseaux d'experts. Donc, vraiment, cette idée, on ne reste pas tout seul avec son cancer gynéco, on se renseigne et il faut que les médecins se parlent, hein, vous le dites très bien. Mmh. Absolument s'assurer qu'il y a cet échange pour être sûr de bénéficier de la meilleure prise en charge. Alors, vous avez parlé de pas mal de la médecine finalement de plus en plus personnalisée. Du coup, pour certaines patientes, on se demande un peu, mais alors comment je sais si je suis BRCA, un test HRD, MSI, finalement, c'est quoi les tests qu'on doit faire et à quel moment on doit les faire? Est-ce que c'est sur la pièce opératoire qu'il y a un test? Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler finalement à quel moment vous faites ce testing et pour aussi poser la question si on n'en a pas eu, par exemple? Ouais, donc c'est une très bonne question. Donc de plus en plus, on essaie de faire beaucoup d'éducation là-dessus sur le fait que c'est important que ces tests soient faits dès le début de la maladie, au diagnostic, sur la biopsie initiale ou la pièce opératoire. Parce que c'est des informations, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais qui ont une influence même sur le type de chirurgie parfois, sur la radiothérapie. Donc il faut avoir vraiment une caractérisation biologique de chaque cancer. D'accord? Parce que vraiment, on va arrêter de traiter tous les cancers de l'ovaire comme un cancer de l'ovaire, mais vraiment d'essayer de traiter votre cancer de l'ovaire comme il est, lui. Donc, que ce soit le MSI, et je ne vous ai pas donné tous les biomarqueurs, on en fait plein, les récepteurs aux hormones, la mutation BRCA, le test HRD, tout ça, ça doit être fait dès le diagnostic. D'accord? Et même si on est dans un petit centre, admettons, ce n'est pas grave, il y a en général un centre qui n'est pas loin, qui va être référent, et qui peut faire les tests génomiques. Et la plupart des tests qu'on fait dans les cancers de l'endomètre sont des tests qui sont vraiment très simples, qui peuvent être faits en anapath de ville. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un manque d'accès à cette caractérisation moléculaire qui est aujourd'hui indispensable pour bien prendre en charge nos patients. Merci beaucoup, docteur Léhari, pour la clarté de votre réponse et pour votre topo qui, effectivement, balaye beaucoup d'innovation et donc beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc, c'est un beau message pour septembre turquoise. Alors, on a des gens qui connaissent
a priori très bien la maladie, les différents termes, etc. Notamment Amy-Louise qui pose une question. Quand on est BRCA somatique et non constitutionnel, donc il va falloir que vous nous expliquiez ce que c'est que somatique et constitutionnel, est-ce qu'on a les mêmes résultats en fonction des thérapies? Ouais, très bonne question et elle peut venir faire un cours à mes internes quand elle veut. Donc, c'est une très bonne question. C'est-à-dire la mutation BRCA, je vous ai parlé de l'effet Angelina Jolie parce qu'elle, elle a cette mutation qu'elle a, en fait, qui était héréditaire, hein, qui a été passée de génération en génération. D'accord? Et je dirais 2/3 des cancers de l'ovaire associés à une mutation BRCA sont associés à ce qu'on appelle une mutation héréditaire. D'accord? Mais il y a à peu près 1/3 des cancers de l'ovaire qui ont une mutation BRCA. Eh bien, elle est absolument pas héréditaire. C'est un événement qui est uniquement acquis au niveau de la tumeur. D'accord? Mais elle ne peut absolument pas passer cette mutation à ses enfants. L'important, c'est que cette mutation a lieu au niveau de la tumeur, que ce soit parce qu'elle l'a héritée et s'est passée par toutes les cellules normales ou parce que la tumeur l'a acquise. Résultat, la réponse aux inhibiteurs de PARP est la même pour les patients qui ont une mutation acquise uniquement au niveau de la tumeur dite somatique ou héréditaire ou constitutionnelle, c'est-à-dire que cette mutation a été passée de génération en génération. Donc, aucune différence sur la sensibilité ou le bénéfice des inhibiteurs de PARP et d'ailleurs de la chimiothérapie. Elles ont la tendance à être très chimiosensibles également. Alors, une question, en fait, on parle de thérapie ciblée, donc pour certaines de ces molécules, et parfois de traitements dits de maintenance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, finalement, dans cette séquence de traitement, ces termes-là, voilà, pour que les personnes s'y retrouvent aussi avec ce qu'on leur explique? Absolument. Donc, le cancer de, pas que de l'ovaire, les tumeurs gynécologiques de manière générale, utilise beaucoup ces traitements d'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chimio reste efficace dans les cancers du col, les cancers de l'ovaire et les cancers de l'endomètre. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la chimiothérapie, obtenir une réponse, et ensuite, on est obligé d'arrêter la chimio, parce que la chimio, vous ne pouvez pas la continuer indéfiniment. Vous n'avez plus de globules blancs, vos cheveux ne repoussent jamais, vous avez des fourmis dans les mains et les pieds. Donc, typiquement, nous, on dit, allez, on fait 6, peut-être 8 cures de chimiothérapie. Et le but, c'est d'arrêter la chimiothérapie. Et résultat, on met après la chimio ce qu'on appelle les traitements d'entretien. Et ces traitements sont là pour maintenir la réponse qu'on a eue avec la chimiothérapie. D'accord? Dans certains cas, ces traitements peuvent être introduits pendant la chimio et poursuivis. C'est l'exemple du bevacizumab ou d'ailleurs des immunothérapies. Dans d'autres cas, comme les inhibiteurs de PARP, on ne les met pas avec la chimiothérapie car c'est trop toxique, mais on les met 6 à 8 semaines après la fin de la chimiothérapie. D'accord? Donc, l'entretien, c'est vraiment là pour entretenir, maintenir la réponse qu'on a obtenue avec la chimiothérapie. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez parlé des cellules X-Men, très, très, très bizarres. Et donc, on avait des questions pour savoir comment sait-on qu'on a des cellules très bizarres, des cellules MS. Ouais. Alors, comment… voilà. Très bonne question. Donc, il y a plein de tests ultra sophistiqués qu'on pourrait faire et qui sont chers. Et en fait, on n'a pas besoin de faire tout ça. On peut faire un test très, très simple en immunohistochimie. D'accord? Donc, pour les cancers de l'endomètre, parce que les ovaires, ils n'ont pas ce type de cellules. C'est vraiment les cancers de l'endomètre qui peuvent avoir ces cellules vraiment ultra mutées. Et le test pour savoir si on a un cancer de l'endomètre ultra muté, eh bien, c'est de faire juste ce test MSI dont je vous parlais. Et ça, c'est un test qui est très simple parce qu'en gros, on recherche 4 protéines sur la tumeur. Et si la tumeur perd 2 de ces protéines, eh bien, ça veut dire qu'elle est MSI ultra mutée. D'accord? Donc, c'est un test qui est simple, qui met quelques jours, qui est pas très cher et que n'importe quel anapathe sait faire. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut avoir accès à l'innovation sur la base d'un biomarqueur qui est faisable en routine. On n'a pas besoin d'envoyer son échantillon aux États-Unis pour un test génomique à 3 000 €. Pas besoin. Test très simple, faisable dans n'importe quel labo de France. Et qui vous permet vraiment de comprendre est-ce que votre cancer de l'endomètre est ultra muté ou non.
Alors, une question, bien sûr, qui circule aussi sur le fil, c'est ben, on voit qu'il y a donc tous ces progrès pour alors 25%, plus 25%, 50% d'autres, etc. En même temps, ben, on voit bien que parfois, on n'a pas tel ou tel type de mutation. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, comment vous faites pour les autres personnes et comment est-ce qu'on cherche, est-ce qu'il y a voilà, d'autres pistes pour les personnes qui ne sont pas encore dans ces sous-groupes? Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré l'essai arc-en-ciel Rainbow, qui est vraiment ça. C'est le concept. On veut traiter, là, l'illustration là, c'était le cancer de l'endomètre, mais de dire, on arrive à caractériser chaque cancer de l'endomètre et à les mettre dans une de quatre catégories. Et chacune de ces quatre catégories elles sont différentes les unes des autres et elles ont une thérapie ciblée hyper adaptée. D'accord? Le but, c'est que n'importe quel cancer de l'endomètre puisse rentrer dans ce programme, on les caractérise. Et on va pouvoir offrir à chacune de ces patientes un traitement adapté à son cancer. Donc vraiment, le but, c'est de ne laisser, en anglais, on dit no one left behind. Personne n'est laissé derrière, tout seul dans son coin. Tout le monde, parce qu'on a assez appris sur les cancers de l'endomètre, que, alors il y a peut-être 2%, on a un petit doute, mais sinon 98%, on sait les classifier et on sait identifier leur talon d'Achille qui nous permet de les assortir à un traitement. Et parfois, ça veut dire identifier non pas un talon d'Achille, mais en fait identifier un sous-groupe de cancer de l'endomètre qui a un tellement bon pronostic qu'on n'a même pas besoin de leur donner un traitement médical toxique parce qu'elles iront très bien avec une chirurgie toute seule. Ça s'appelle la désescalade et c'est aussi important que l'accès à des thérapies innovantes. Merci beaucoup. Alors, on a une heure ce soir, donc on va juste vous poser deux dernières questions. Donc, une de ma part, vous avez bien balayé le cancer du col, cancer de l'endomètre, cancer de l'ovaire. Et on avait une question sur le cancer de l'utérus. Cancer du sein et cancer de l'ovaire marchent souvent ensemble. Quid du cancer de l'utérus? Est-ce qu'il peut être associé également à des mutations qu'on retrouve en sénologie ou dans d'autres cancers du tout. Tout à fait. Donc, il y a certains cancers de l'utérus qui, quand on les regarde au microscope, mais ils ressemblent beaucoup à un cancer de l'ovaire de Graves séreux. D'accord? Et même si l'origine est l'utérus et non pas l'ovaire, bah, en fait, on les regarde, on se dit, mais vraiment, on dirait la même tumeur. Et résultat, ceux-là peuvent avoir, par exemple, des mutations BRCA. Alors, c'est plus rare que dans l'ovaire, mais ça peut se trouver. Ces tumeurs-là ont tendance à avoir une très bonne réponse aux selles de platine. Ça nous rappelle également les ovaires de haut grade séreux. Et donc, dans l'essai Rainbow dont je vous parlais, on évalue l'intérêt de mettre un inhibiteur de PARP dans que ces tumeurs-là, pas tous les cancers d'endomètre, uniquement ceux qui ressemblent à un cancer de l'ovaire de haut grade séreux, qui a souvent des déficits de réparation. Et nous, on a démontré qu'à peu près la moitié de ces tumeurs ont effectivement des déficits de réparation. Donc oui, on a des cancers de l'endomètre qui peuvent être traités un peu comme les cancers de l'ovaire et on a un essai en cours pour faire cette preuve de concept. Merci beaucoup. Alors, avant que Coriane, j'allais dire, nous donne un peu le mot de la fin pour rester dans notre timing de ce soir, je voulais, on a vu à la fois qu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'espoir, qu'il faut se renseigner, qu'on peut aussi avoir des projets thérapeutiques avec de la désescalade, c'est-à-dire moins de traitements, et ça, c'est très bien. Quel est votre conseil aussi pour les patientes, pour, j'allais dire, être bien accompagnées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, j'allais dire, faire face à tous ces traitements, ces maladies qui restent quand même très, très lourdes et complexes. Alors, la première chose, c'est de ne jamais se dire qu'on va faire ça tout seul. Bon, souvent, je trouve que les patientes veulent épargner leur famille et leurs proches en ne leur parlant pas trop de ce qui se passe parce qu'elles ne veulent pas être un poids. Il y a même des gens qui cachent leur maladie et la gardent vraiment de manière très privée. Ça, c'est la première chose, c'est surtout à ne pas faire. C'est important d'avoir un soutien. Et en plus, les gens autour de vous ont envie d'aider. Et si vous ne leur parlez pas de votre maladie, vous leur volez cette opportunité. Et eux veulent le faire et deux, vous en avez besoin. Donc ça, c'est la première chose. C'est au niveau des proches que c'est important de ne pas hésiter, de partager, de se faire accompagner quand on va à l'hôpital. Quand je vois des patientes qui sont en consulte toutes seules, déjà, dans le meilleur des cas, on retient à peu près 20% de ce que quelqu'un nous dit. Alors, en plus, quand on est dans un hôpital un peu stressé, puis on est arrivé en retard, on n'avait pas se garer, etc., alors là, on descend à sans doute 7%. Donc, en plus, c'est bien de venir accompagner. Vous avez deux paires d'oreilles, c'est important.
Et ensuite, il y a tout plein de volets autour du cancer qui sont pas des traitements anticancéreux à proprement parler, mais qui ont un rôle. D'accord. Moi, je ne suis pas une experte en acupuncture. Et ça ne veut pas dire que je ne pense pas que chez certaines de mes patientes, l'auriculothérapie, ça aide. Ça, c'est la pression sur les oreilles. L'acupuncture, ça aide. Le sport, les activités post-cancer. Vous avez fini la chimio, ben, il y a des activités, des choses qui sont adaptées pour vous aider à reprendre une vie normale, à sortir du mode patient. Donc, il y a des ressources. Il y a évidemment les groupes de patients. Il y en a plusieurs en France. Il faut les utiliser. Et au sein des instituts où vous êtes soigné, il y a souvent des programmes post-traitement du cancer qui ne sont pas limités aux tumeurs gynéco. Hein, d'ailleurs, avec plein d'activités, il faut utiliser tout ça. Il faut utiliser tout ça. Parce que le but, c'est qu'une fois que le traitement est fini, que la vie redevienne normale. Il ne faut pas rester dans le mode patient. Même si un jour, vous nécessiterez peut-être encore un peu plus de traitement. Ce n'est pas grave. Dans l'intervalle, il faut profiter et retourner à une vie aussi normale que possible. En écoutant son corps, évidemment, ça ne sert à rien de se forcer à faire un marathon. Mais voilà. On a bien entendu votre message et c'est dans cette optique que pour le mois pour vous, avec mon réseau Cancer Gynéco, on a encore 3 ateliers, justement. Un pour se faire plaisir tout en mangeant. Un sur retrouver son intimité avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est le docteur Oppomerol. On a vu sa présentation. Vraiment, je vous incite. Le docteur Léhari évoquait ne pas oser parler à son entourage. Ben là, elle va lever un tas de tabous sur l'intimité. Vraiment, je vous engage à vous y inscrire. Et aussi, retrouver le sommeil, parce que ça fait partie de l'équilibre et du bien-être. Donc, voilà, on va vous mettre les liens d'inscription. Merci infiniment, docteur Léhari. Laure, un petit mot ? Juste un très, très grand merci. C'était vraiment formidable. Et on aura bien sûr le replay pour que les patientes qui ne pouvaient pas être là ce soir puissent le retrouver, que ça puisse aussi dépasser largement, j'allais dire, mon réseau Cancer Gynéco. Ça sera sur 10 mois santé aussi. Donc voilà, on pourra le retrouver cette très bonne soirée d'information. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.